Enfin bref. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau stream du dimanche, le premier de l'année 2020. On va démarrer avec This War of Mine tranquillement. Alors certes, on ne démarre pas avec le jeu le plus joyeux de l'univers, mais c'est histoire de démarrer tranquillement, de me réveiller, d'attendre que plus de gens arrivent. Avant de démarrer autre chose. Alors, la nuit était calme, on a ramené des trucs intéressants, donc de la bouffe. Parfait. Le truc qui m'inquiète un peu par contre, c'est que j'ai deux chauffages et qu'il fait 10 degrés chez moi. Ça, c'est... Au moins il fait chaud. Ok, tant mieux. Va bouffer. Va bouffer toi aussi. On va déjà s'occuper d'elle là. Voilà. On va dormir. Est-ce que toi tu peux nous cuisiner quelque chose? Salut Grégory 97 sur le chat et bonne année à toi aussi. Je peux faire un petit truc comme ça. Vas-y, on va faire de la nourriture cuisinée. C'est toujours meilleur hein, de cuisiner quelque chose par soi-même. Vas-y, mange ça. Il faut vite qu'ils aillent dormir parce qu'ils ont veillé toute la nuit aussi. Voilà. Ouais, je sais, t'as besoin de repos, mec. Attends, j'ai un chauffage que j'ai réussi à améliorer, l'autre non, et il fait quand même que 10 degrés chez moi, c'est... C'est un peu inquiétant quand même, tout ça. Bon. Je vais pas faire 3 chauffages non plus. Un chauffage, ça commence à faire beaucoup. J'ai 2 lames de scie. 0 pied de biche, 0 outil de crochetage. Je pourrais faire un outil de crochetage. L'unité qui demande c'est quoi ce jeu? C'est This War of Mine, c'est un jeu de survie qui est sorti il y a pas mal d'années et que j'ai démarré avec pas mal de retard. Ah, il y a quelqu'un à la porte. J'ai besoin d'aide. Enfin, j'aurais préféré que ce soit le marchand, mais bon. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Grâce à votre aide, tous les blessés sont établis et sont rentrés chez eux. Cependant, l'un d'entre eux a encore besoin de bandages et je n'en ai plus. J'ai combien de bandages? 6? Ah, vas-y, prends-en, mec. Pas de problème. Ça me fait plaisir. Et on a récupéré de la bouffe au passage. Le piège à... Il y a le piège à monstre, mais le piège à rat. Le piège à rat a fait, fait ses preuves. On va remettre de la bouffe. Fais-moi de la fausse bouffe avec du fertilisant. Fertilisant, ça, hein? Je crois. Ok. T'as les deux chauffages, ils marchent à fond et on se les gèle. Je suis pas sûr de comprendre là. Je suis vraiment pas sûr de comprendre. Chauffage amélioré. Il faut que je trouve des matériaux, des composants, il faut que je fasse un thermorégulateur. Vas-y, comment on fait un thermorégulateur? Tu vas aller bouffer au passage, toi? Ouais non, culpabilise pas trop, mec, culpabilise pas trop. Thermorégulateur, je peux en fabriquer, hein, donc on va le faire tout de suite. Et tu vas aller dormir après. J'aurais peut-être dû l'envoyer dormir.
Ouais, le fait qu'il fasse 9 degrés m'inquiète beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ok, ils ont l'air de bien aller. Vas-y, va te reposer tranquillou. Et toi, regarde qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Ouais, ça j'en ai pas besoin. On va aller faire un filtre à eau pour récupérer de l'eau de pluie. Alors, notre refuge ressemble presque à un foyer. Il nous réconforte et nous aide à retrouver notre sang-froid. Nous manquons vraiment de livres. Nous manquons de cigarettes. Ok. Manque de livres, manque de cigarettes. On a pas mal de flotte. Vengeance totale qui dit l'isolation de l'appartement n'est pas optimale. Certes, mais quand même, je m'attendrais un peu plus que 9 degrés, quoi. C'est encore moins bien isolé que chez moi. Il me faut un filtre. Je pourrais fabriquer un filtre. J'aurais dû faire ça avant. Pas vraiment grand-chose d'autre à faire. Tout ce qu'il faut par contre, c'est qu'on aille chercher des composants pour que je puisse améliorer mon chauffage. Ah, je pourrais écouter la radio aussi. Attends, attends, reviens là, toi. Je vais écouter la radio et voir comment cette guerre évolue. La ville connaît des pénuries d'eau, ok. Les températures vont fortement baisser en attente de la neige dans le sud-est de Graznavia. Bon courage aux habitants. Ah, c'est pas bon ça. On va aller faire de la flotte tout de suite. Parce qu'évidemment, ici, il y a une pénurie d'eau. Ça peut être embêtant et il faut vraiment qu'on puisse améliorer notre chauffage. On va faire ça. Ça bouffe des composants, mais bon. Il y avait un marchand qui pouvait venir là, et si je pouvais lui acheter des composants, je ferais le chauffage tout de suite. Faudrait aussi que je fasse du combustible, j'en ai presque plus. Vas-y, fabrique 4 de combustible. À mon avis, si le chauffage il s'arrête là, on va tous mourir. C'est aussi simple que ça. Et j'aimerais éviter si possible. Un peu de musique classique pour se détendre. Oui, je sais qu'il est facile de tomber malade avec un froid pareil. Ok, il y a un chauffage qui s'est arrêté. On va le réactiver tout de suite. Voilà. Ok. J'en ai combien sur moi là? Ah, il m'en reste deux encore. Bah écoute, vas-y. Pouf. Et. Pouf. Voilà. Donc il me manque vraiment plus que des composants. On manque 12. Hein. Je pourrais améliorer ça aussi, mais je crois que j'ai pas ce qu'il faut. Ouais, je suis loin d'avoir ce qu'il faut. De toute façon, pour l'instant, le plus important, c'est le chauffage. Voilà, température remonte, là, on kiffe. 18 degrés. C'est pas belle, la vie? Et la nuit tombe. Je joue sans les DLC, Lunatics, vu que c'est mon premier run. Mon premier vrai run. Alors, tu vas monter la garde. Toi, tu vas monter la garde. Et toi, tu vas partir collecter. Alors, il y a des nouveaux. Il y a des nouveaux endroits, comme vous pouvez voir. Mais tous ces nouveaux endroits, c'est danger. Coup de pièce.
Ouais, ici j'ai fouillé 80%. Là j'ai fouillé que 51%. Avant-poste militaire. Beaucoup de pièces. Ouais, je pense qu'il va falloir aller là-bas, mais ça me fait pas plaisir. On va aller à l'avant-poste militaire, mais je vais essayer de me la jouer discret, très discret. J'ai pas envie d'emmener une arme avec moi. On va emmener ça, on va emmener ça, et on va emmener ça. On va emmener un couteau, ouais, mais je préfère laisser tout ça au mec qui monte la carte. Il va falloir faire très 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 attention. Vous êtes dans une zone à accès limité, mieux vaut avoir de quoi échanger. Ça me fait pas vraiment rêver. Vas-y, fouille vite avant qu'ils reviennent. Grouille-toi, grouille-toi. Voilà. Oh putain, il y a de la bouffe là-dedans, c'est la fête. Une arme aussi. Et l'un des médocs. Bon, ok, tu veux pas échanger, mec? Je peux échanger les trucs que je viens de te voler. On peut parler? Alors, que voulez-vous? Il a plus grand chose. Que dirais-tu d'échanger ces pièces contre de la flotte? J'aimerais bien aller là-bas là. Ah shit. Ok. Ah, donc je crois que malheureusement je vais pas pouvoir aller très loin. Écoute, on va piquer ce qui reste, hein. Ok, on va courir vers la sortie, je crois qu'il était pas très... Bon bah la nuit était très courte. J'ai pas ramené ce que je voulais, mais... Ouais, donc là-dedans le problème c'est que si je veux y aller, j'ai pas le choix de les buter, quoi. J'ai pas trouvé ce que je voulais, ce qui est très... Oh putain, oui, il commence à faire bien froid, là. Cette nuit j'ai fait une belle prise, regardez ce que j'ai ramené, tu m'étonnes qu'on a fait une belle prise. Katia commence à se sentir mal. Putain, on a ramené un fusil... 19 de flotte, 6 de bouffe avec 3 petits poulets, des bandages, enfin c'était la totale quoi. C'est là qu'on va voir s'ils sont efficaces les... toi t'es très malade, t'es légèrement... Oh il y a de la neige, c'est moyen. Va prendre un médoc tout de suite. Et toi dégage la neige. Il manquait plus que ça de la neige. Ah oui c'est vrai que le toit il est un petit peu troué aussi. Salut Galgu, qu'est-ce que tu... Ah, on peut la faire fondre. Ouais, vas-y. On a de la flotte, mais bon, pourquoi pas. Je vais me sentir mieux, cool, va dormir. Non, mange d'abord.
mange une petite pâtée pour chien. Hein. Ça te fera du bien. Et va pioncer. On a 15 de bouffe, on est pas mal. Toi, t'as faim aussi. Va cuisiner. Non, va fabriquer du combustible d'ailleurs, d'abord. Chance totale qui dit l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de frigo, certes. Mais on se les caille quand même un peu là. Utiliser le bois, mais. Parce que j'ai vraiment pas envie d'utiliser mes composants. On pouvait se faire des petits plats préparés, là, ça serait pas mal. Oh, il y a quelqu'un à la porte. Ah, des choses à échanger. Toi, tu m'intéresses. Qu'est-ce que t'as de beau, mec? J'ai pas toute la journée, je viens de tout à la porte, là. Qu'est-ce qu'il a de beau, lui? Il a du café. Il a des composants, et il en a assez. Il en a assez. Ok. Alors, qu'est-ce que tu voudrais contre les composants? Je pourrais te filer... déjà, je vais te filer de l'alcool. Alors, prends ça aussi. Est-ce que je peux te filer des médocs? Votre offre est franchement impressionnante. Ouais, mais tu vas me filer autre chose, mec. Tu vas me filer des légumes. Tu vas me filer du café, parce qu'on en a plus. Fais-moi des consommables aussi. Ok, tu veux autre chose. Je peux te filer un peu de ça. Voilà, 4 consommables. Si je te demande un composant de plus. Non. Ok, marché conclu, reste là. Je vais demander d'autres trucs. Tout ça, j'en ai pas besoin. L'alcool en tout cas, enfin faire l'alcool. Le faire du tabac, ça m'intéresse pas spécialement. C'est quoi ça? Alcool pur. Donne-moi plus de composants. On n'en a jamais assez, donne-moi plus de bois. Qu'est-ce que je peux te filer? Tu veux un autre... voilà. Un médicament. Parfait. Je pourrais... Ah, j'ai beaucoup de bouffe, je sais pas si ça vaut le coup d'acheter encore de la bouffe en fait. On ne sait pas vraiment si ça vaut le coup d'acheter de la bouffe encore. Un couteau. Un peu du sucre. Très ordinaire, pas très intéressant. Ouais, c'est pas super intéressant ça pour lui. C'est quoi ça? Ah, j'ai de l'alcool, là. Ah, j'ai de l'alcool pur. Tiens, vas-y, prends. Voilà. C'est bon, tu peux te casser. Toi, tu vas... Qu'est-ce que je voulais faire? Va cuisiner. Salut, madame, sur le chat. Tu vas faire ça tout de suite. Il n'y a aucun problème, t'inquiète pas, c'était juste assez rigolo. Tout le temps là, en avance sur le chat. La seule fois que t'étais pas là, malheureusement, on s'est fait spammer. Et le bot est toujours en ligne d'ailleurs. J'espère qu'il va pas poster autre chose. Alors, toi, tu vas prendre un bon repas. Tu vas aller dormir. Toi, tu vas aller prendre un bon repas aussi. On est vraiment pas mal niveau bouffe là. Et tu veux aller améliorer le chauffage en fait. Je sais que tu veux dormir mais la chaleur avant tout. Donc, normalement on a assez de composants là. Yep, j'ai tout ce qu'il faut. Chauffage amélioré.
Il fait 9 degrés alors que j'ai deux chauffages. J'espère que la température va monter là. On a du café, on n'a pas de cigarette par contre. Voilà. Oui. Voilà, j'en ai combien là des... Il m'en reste 4 encore. Ils ont un de plus là et un de plus là. Histoire qu'on soit tranquille pour les 3 prochains jours. Maintenant tu peux aller dormir. Va dormir avec la neige qui te tombe sur la gueule. Je suis sûr que tu vas adorer. Repos pour tout le monde. Il est un peu triste malheureusement. Mine de rien, au poste d'avant-guerre, là, je me suis bien fait plaisir hein, niveau provision. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a ramassé un max de bouffe, quelques médocs, plein de trucs. Il suffisait d'attendre que le garde aille tchatcher avec son pote. Bon, par contre, à la fin, il avait sorti son gun, donc il était temps de partir, je pense. Est-ce qu'on pourrait... Je vais attendre qu'il y en ait un qui se réveille. On a combien de flottes? On a 27 de flottes, c'est pas mal. Et on a plein de fusils maintenant. Hein. Et on a pas mal... On a encore pas beaucoup de balles, ce qui est cool. On va attendre que... quelqu'un finisse sa sieste. On ira voir qu'est-ce qu'on peut fabriquer d'autre. Il fait 16 degrés, ça va. Je pense que c'est vivable, 16 degrés. Heureusement que j'ai fait deux chauffages. Hein. Quelqu'un s'est réveillé. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut fabriquer d'autre, toi. Ouais, tout ça, je sais pas trop, en fait. Jardin de plantes, je sais vraiment pas si c'est... La porte renforcée, ça pourrait être cool. Ouais, ça pourrait être très bien. Donc il faut que je trouve encore 12 composants et des pièces électriques. Ouais, je pourrais faire la porte renforcée, histoire de se protéger. Faire de l'alcool, je sais pas. Tant que je peux aller voler à gauche à droite... j'ai deux combustibles, ouais, vas-y, faisons deux de plus. On n'est pas à ça, on n'est pas à ça près. Salut Glebusker sur le chat, exactement. Comme tu peux voir, on démarre cette année 2020 avec des jeux joyeux. Non, je voulais démarrer avec ça parce que c'est l'avantage de War of Mine, c'est que c'est un jeu relativement lent et ça me permet de me réveiller et ça permet aussi de laisser le temps aux gens d'arriver sur le chat. Va fabriquer un crochet. On va ressortir cette nuit. Crochet. Ouais, ça m'embête un peu, mais bon. On va le faire quand même. J'espère que Katia ne va pas être malade. C'est tout ce que j'espère. Ok. Ouais, tout ça, je suis loin de pouvoir le faire. Ça, si j'améliore l'atelier de métallurgie, je vais pouvoir me faire des meilleures armes à feu, des gilets, des casques. Donc en gros, c'est vraiment pour transformer tes aventuriers en combattants. Ouais, non, c'est assez inquiétant ce qui se passe là. J'habite vraiment dans le pays avec le pire président de l'humanité. Ok. Alors. Tu vas monter la garde malheureusement, même si t'es malade, toi aussi. Et toi, tu vas partir collecter. Ok, donc on a volé 16% des ressources à l'avant-poste militaire, donc ils ont vraiment un gros paquet de trucs. Hein.
Est-ce que je pourrais retourner à un endroit où j'ai pas volé grand chose? 74, 64. Je peux pas y aller. Il y a le club. Pour aller au club. 80%. Hôpital de la ville. Ouais, aller à l'hôpital. Je pourrais aller à l'hôpital. Ou je retourne au club. Parce qu'il y a beaucoup de pièces. On va retourner au club. On va prendre une scie, ça et la pelle. Et on part collecter. Et j'espère qu'on va pouvoir se la jouer discrètement. Discreto, c'est au moins rentrer dans le bâtiment, quoi. Vous pouvez voir qu'il y a de la neige partout maintenant. Alors, il me faut des composants et des pièces électroniques. Voilà, ça c'est parfait, ça tombe bien, il m'en faut. Quelqu'un veut un verre? Oui, oublie-moi, toi. Des petits coups de pelle derrière la tête de certaines personnes, ça pourrait être cool. On va prendre ça histoire de. T'as l'air de t'en fiche de moi, donc bon. Vas-y, fouille ça, l'autre il a pas l'air de regarder non plus. Ouais, bon ça on va le prendre quand même, mais je m'en débarrasserai si je trouve mieux. Vas-y, fouille ça. Ah, des légumes, ça m'intéresse. Ouais, du bois. Le bois, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus là, mais bon. Je vais le prendre tant que j'ai rien d'autre à mettre sous la dent, comme qui dirait. Il n'a pas l'air de s'énerver en haut là, je suis sûr qu'il a dû me voir donc. Ouh, intéressant. Toujours du bois? Oui, je suis plein, mais bon. Je sais pas comment aller là-bas. Monter par là? Bienvenue, nous avons été cambriolés récemment, il ne nous reste donc pas grand chose. Je trouve qu'il vous reste quand même pas mal de trucs. T'as quoi toi? Ok, donc il y a un marchand dans le coin. Qu'est-ce qu'il vend le marchand? Le marchand il vend des trucs cool. Il vend des trucs cool. Il vend pas de composants par contre, il vend de la bouffe. C'est pas donné, évidemment que c'est pas donné. Ouais, je pourrais revenir ici pour acheter de la bouffe. Hop. Vas-y, on va aller voir par là. Je peux pas aller fouiller ici, je pense. Salut Raiden 971. Ouh, il y a des trucs cool ici. Ouais, je peux fabriquer une autre guitare. Prends la bouffe, toujours prendre la bouffe. Ça dégage-le. Prends la cigarette roulée. Ça c'est bien, mais. J'ignore comment aller là-bas. Comment on fait pour aller là-haut là ?
Donc là, il y a le marchand. Il faudra que je m'en souvienne. Il a plein de bouffe. Ah, je dois pouvoir passer par là. Vas-y, on va y aller. Je l'ai fouillé, ça? Je sais même plus si je l'ai fouillé, celui-là. Ouais. Voilà, tu dois pouvoir passer par là et sauter. Bon, par contre, je sais pas si le type il va apprécier qu'on rentre chez lui, quoi. Ouais. Je pense qu'il va être temps de mettre des coups de pelle. Ouais, Lunatic, ça c'est sympa, This War of Mine, c'est vraiment pas mal du tout comme jeu. Ok, ils sont deux. Ça c'est plus embêtant. S'il y en a un qui peut aller en haut pendant que l'autre reste là, ça m'arrangerait. Allez. Attaque. Ok. C'était quand même tendu, hein. Et Pavel a de graves blessures. Donc là, vous pouvez voir que j'ai vraiment... j'ai dû les attaquer, sinon j'allais crever. Qu'est-ce qu'il y a de beau à fouiller chez vous? Ouais, toi, t'as un flingue, ce qui est cool. T'as 12 balles aussi. Ouais, c'est quoi la cigarette? Alors que je revienne ici, je pense qu'il y a pas mal de choses chouaves. Maintenant il est triste évidemment. Oh, il y a de la bouffe et il y a des composants. Il y a des composants. Il y a ça aussi, ce qui est cool. Ouais, donc ici il y a plein de trucs. Il faut que je revienne. Oh oui, il faut que je revienne. On va prendre ça. Pas un truc à crocheter là. Là-haut, il y a peut-être un... Ah, il y a rien à crocheter là, quoi. Vache, il y a pas mal de... Ouais, il y a beaucoup de choses ici. prends les composants. Il va falloir que je m'en aille, mais je vais au moins regarder qu'est-ce qu'il y a volé chez eux, quoi. Maintenant que j'ai buté les deux. Yep, il y a des choses intéressantes. J'en ai trouvé 3, il en faut 4 de ça. Courir à la sortie. On va revenir ici. Donc là, évidemment, notre compagnon va déprimer un max. Parce qu'il a buté... Il a buté deux personnes. Et il a des graves blessures, comme vous pouvez le voir. Pavel est de retour. Regardez tout ce que j'ai ramené en pissant le sang. Vingt-sixième jour. J'ai intérêt à le soigner vite. J'ai réussi, j'ai des bandages. Par contre, j'en ai aussi besoin. Ironique. Pavel a de vilaines blessures. Succès déverrouillé, le règne de la neige. Alors, tu vas aller tout de suite... Le soigner. Il fait 9 degrés ici, ce qui est pas génial.
Bruno, tu vas aller cuisiner tout de suite quelque chose de cool. Voilà, tu vas nous faire deux repas chauds là. Vengeance totale qui dit Pavel a aussi gagné un certain sens de l'humour. C'est un petit peu ça, ouais. Alors, toi, tu vas manger ça. Tu vas aller dormir. Et Pavel, on va lui donner de la bonne bouffe. Et Pavel, faut vite qu'il se repose. Il a faim, il a de graves blessures, il est triste, il a besoin de repos. La totale, quoi. Et encore, il reste une ligne. Tu peux avoir quelque chose d'autre qui s'accumule. Va dormir, mec. Et toi, qu'est-ce que tu peux... Ouh, on a de la bouffe, ça c'est une bonne nouvelle. Allez, plus vite. Alors, on va récupérer les deux petits poulets. Putain, il fait 8 degrés, la misère, quoi. J'ai deux chauffages. Hein. Voilà, on va mettre... Allez, ça m'arrange pas, ça. Bien, on investit un pour en faire un deuxième. T'investis un petit bout de poulet pour en récupérer deux. J'ai envie de dire oui, hein. On a du combustible ou pas? Ouais, on en a trois. Maison là, maison là aussi. Voilà. Va voir qu'est-ce que. Je crois que je voulais faire la porte renforcée, mais je sais pas si j'ai assez pour faire une porte renforcée. Oui, j'ai commencé à faire froid, je sais. Oui, j'ai pas assez pour faire la porte renforcée, c'est ça le problème. Il manque encore trois composants. Hein. On va attendre du coup. Le poil, je peux pas l'améliorer. T'as faim, toi? Ah, bah écoute, va bouffer. Ah, il fait 14 degrés là, c'est bon. Ah non, 13 degrés. Le chauffage super efficace, quoi. Bon, ok, il neige à l'intérieur, mais. Tout barricadé en tout cas. Fallait faire un bonhomme de neige dehors. Voilà qui est intéressant. Si j'ai le temps, j'irai le faire. Autrement, je passerai mon chemin. Pourquoi il y a des gens qui sont... Ah. Oh. C'est ça que je voulais faire. Ok, il y en a un qui s'est réveillé. Est-ce qu'on a beaucoup d'eau de pluie? On en a 24. Nous pouvons la faire fondre pour obtenir de l'eau. On fait un peu chier de gâcher... Va voir si tu peux faire un filtre directement. Des composants, mais bon, on va le faire quand même. On a un peu de temps, on va aller voir. Hein. Il y a peut-être de l'eau de pluie qui s'est quand même accumulée là-haut. Vas-y, bon, de voir si on peut récupérer de l'eau de pluie. Ok, faut faire fondre la neige. T'as pas le choix. Attends,
Pourquoi tu... Dehors, toi. C'est lui qui s'occupe de la neige. Ce qui m'embête, par contre, c'est... Pavel, il va être blessé, donc je sais pas si je vais pouvoir le renvoyer... Le renvoyer... se balader. Plus de cigarettes, t'as raison. C'est clairement la chose la plus importante, les cigarettes. Ce que je pourrais faire... c'est peut-être aller retourner voir le marchand au club là, pour acheter des trucs. Eh vas-y, va jouer de la gratte. Lui, ça va pas là. C'est plutôt froid à l'intérieur, on devrait réfléchir à une façon de se réchauffer. Comment dire? On a déjà réfléchi à une façon de se réchauffer. Je perds trop de sang, j'ai besoin d'aide. Tu veux un deuxième bandage? Un deuxième... Ah putain, ça va pas aller. Hein. Tu veux des médocs? Non. Tu veux dormir? Ouais, va dormir, mec. Je pense qu'il va falloir que j'envoie quelqu'un d'autre. Ah, il va devoir dormir, lui. Toi, tu vas dormir dans ton lit. Toi, tu vas monter la garde. Et toi, tu vas partir collecter. Le truc, c'est où est-ce qu'on va partir collecter? Pour tourner au club. Le truc c'est... Brasserie bombardée, quelques nourritures. Sinon je l'emmène à la brasserie bombardée. Beaucoup de pièces. Ah, je suis vraiment... Non, on va aller au club simplement pour échanger. Donc tu vas aller échanger... en deux comme ça. Des flocons peut-être pas. Vas-y, prends un couteau. Qu'est-ce que tu pourrais changer d'autre? Un comme ça. Voilà. Ça paraît pas mal ça. Deux guns, je pourrais à la limite échanger un gun. Si on a tout ça, ça suffit quoi. Prends le crochet, on sait jamais, et pas recollecter. Et tu me diras, non, le crochet ça sert à rien. Bon, c'est pas grave. Alors. On va aller voir le marchand, donc ça devrait être une nuit tranquille. Qu'est-ce que tu fais? Ok, pourquoi t'as fait ça là? Je voulais pas le buter lui, mais c'est pas grave. Maintenant elle va être triste. J'ai du misclic. Évidemment qu'il a rien d'intéressant. Putain de clochard qui est à l'extérieur. Bon, j'espère qu'elle va, elle va éviter de trop s'en souvenir. Oh shit, 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 ça c'est pas bon. Oui, ça va pas là. Non, là c'est un misclic qui m'a coûté cher. Si je quitte, il se passe quoi? Oui, ça m'arrange si la sauvegarde soit perdue. Désolé, mais j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Le but, c'était pas
les attaquer. Madame Kilimiski, pardon, famille, tout ça. Bon, on va recommencer. Il faut qu'on reprenne d'ici. Le couteau est parti tout seul, ouais, c'est un peu ça. Bah ok, écoute. On va dormir. On va essayer d'accélérer un peu tout ça. On va cuisiner. Désolé, mais... le misclic là qui me coûte la mission, non merci. Mon intention n'était pas du tout d'attaquer ce pauvre monsieur à l'extérieur. Voilà, on va manger ça. Salut Nathan Sens. 3. Voilà. On va récupérer la bouffe. On va fabriquer de la bouffe. Enfin, de la bouffe à pas. Ouais, va dormir. Tu pouvais aller au lit qui était juste là, mec, mais c'est pas grave. Oui, on a plus de cigarettes, je sais, je sais. Tu survivras, mec. Je suis sûr que tu survivras quand même. Fabrique. Ah oui, il faut que j'améliore le chauffage. Attends, oui, il faut que j'améliore. Hop. Je l'améliore ou pas? J'ai déjà amélioré. Non, non, ils sont déjà améliorés, je raconte n'importe quoi. Fabrique. Vas-y, fabrique ça, on a que ça à faire pour l'instant. Lui va se rétablir. Écouter la radio, toi. Il a besoin de repos, ça veut dire. Peut-être que je l'envoie dormir. Je vais écouter la radio avant, quand même. Pénurie d'eau. Il fait froid, aucune amélioration des températures n'est attendue au cours des prochains jours. Veillez à ce que le feu brûle la nuit. La mort pèse lourd sur Pogorin, des balles de tireurs d'élite, les obus de mortier et les basses températures entraînent la mort de nombreux civils. Le porte-parole de l'armée a déclaré « Les victimes civiles sont le résultat de tragiques accidents et de la criminalité de la ville. » Vous n'êtes pas du tout en train de vous remettre en question sur « Il faudrait peut-être qu'on arrête de faire cette putain de guerre. » Dodo. Il faut vraiment qu'il se soigne. Toi, t'as faim. Bah écoute, va manger. Bonjour, bonjour aux arrivants sur le chat. Va bouffer. Parfait. Et je pense qu'on va finir la journée. Vas-y. Et maintenant, on va y retourner. Donc toi, tu dors dans ton lit. Toi, tu vas partir collecter. Toi, tu vas monter la garde. Le club. Il est là. Ouais, c'est ça que je veux faire. Donc tu vas prendre des choses à échanger, genre ça, ça, ça.
prends un gun aussi. Le sucre, j'en ai pas beaucoup, donc je vais le garder. On va en prendre deux de ça. Vas-y. On va recollecter. Et maintenant, on retente la mission. Sans le misclic, si c'est possible. Et je pense qu'après cette nuit, je m'arrêterai là. Là, je suis en mode collecter. S'il te plaît, n'attaque personne. Ah, mais pourquoi? Pourquoi ils m'attaquent tous comme ça? Je comprends pas le délire. Là. Ok, donc il m'attaque automatiquement pour une raison mystérieuse. Ah non, mais ça va pas du tout ça. Ok, donc c'était pas un misclic. Pourquoi est-ce qu'ils m'attaquent soudainement? Genre, ils savent que leurs potes sont morts à l'étage, c'est ça? Bah écoute, c'est pas grave, hein, on va aller fouiller le reste du coup. Ça m'embête beaucoup, ça. J'aurais même pu esquiver l'autre branquignol, du coup, là. Tant pis. On va fouiller ce qu'on peut fouiller, et bah... Ouais. Ah, au final, j'ai plein de trucs qui me servent à rien sur moi, là. Et ça va pas fort, hein, Katia. Oh, il y a des trucs cool ici. Vas-y, arrache ça. Donc, il n'y avait pas de misclic. C'est juste qu'ils ont décidé tous de m'attaquer. Il n'y a rien là. Retourne à l'étage. Ah, elle traîne la patte, Katia, là. Non, ouvre la porte. Ok, donc si tu tues quelqu'un sur la carte, tout le monde t'attaque après, même s'ils ne savent pas que c'est toi qui a buté ces personnes. Ce qui est très moyen. Ok, je crois qu'il y avait un autre poulet, quelque part. Peut-être au-dessus. On va voir ça. Non. S'il y a un poulet dans les décombres ici, ça va pas être très rassurant. Eh ben, il est bien là. De quoi est-ce que je peux me débarrasser? Ça, peut-être. Voilà. Et on va courir à la sortie, parce que malheureusement je peux rien faire d'autre. Ok, donc ça c'est plutôt fâcheux. Ici je suis devenu assez... En gros, si je reviens ici, il faut que je les bute tous, quoi. Maintenant elle va être blessée à son tour, ce qui m'arrange vraiment pas.
Jour 27. Il fait toujours froid. Ah, t'as tué. Le mec qui t'a attaqué en premier. Hein. Alors. Oh là là, ça a pas l'air d'aller bien. Nous avons été attaqués pendant la nuit. Pavel a l'air de ne pas avoir dormi de la nuit. Quelque chose doit le perturber. Quelqu'un a essayé de nous voler. Ils étaient vraiment sérieux, mais nous avons réussi à les repousser. Par chance, nous étions tous armés. Aucun d'entre nous n'a été blessé. Les agresseurs n'ont rien volé. Ok. Pavel, t'es où? Pavel, dis-moi que tu dors, là. Non mais toi lui dis pas ça, espèce d'andouille. Ah putain. Bon, dans tous les cas, ça sert à rien que j'avance parce que je recommencerai la journée ici. Je m'arrête là pour This War of Mine vu que ça fait une bonne heure que je suis en train de jouer. On a pu avancer, plutôt cool, ça s'est pas vraiment exactement passé comme prévu. Puis là je sens que je vais avoir pas mal de petits problèmes à gérer. Mais on est au 27e jour et tout le monde est encore en vie, ce qui est le plus important. Il fait 5 degrés, je sais pas pourquoi. Et il va certainement falloir soigner Pavel davantage. On verra peut-être que du coup la prochaine nuit je sortirai pas, je sais pas trop. À voir. Sur ce, je vais quitter le jeu, lever l'overlay et on va voir sur quoi on va poursuivre. À tout de suite.